une cette semaine. Yes. What are you gonna wear today? I'm gonna wear a bucket on your head. No. No. And a barrel around your body. No. Pas facile à analyser. Je suis content que vous l'ayez mis à la fin parce qu'on va se réconcilier. Là, vraiment, on est en plein onirisme. Et dans un onirisme très riche. Les choses démarrent par une séquence d'orgie. Je crois que le cinéaste a filmé une fête qui existe réellement au centre de l'Italie, où les gens se pataugent dans de la sauce tomate. Et là, on voit cette femme. Alors, j'avais pas la notion de son fils qui aurait tué d'autres enfants, donc je suis parti sur une autre piste. C'est très bien, parce qu'on le découvre après que le film est un collage multitemporel. Donc, moi, je suis parti sur une femme qui fait un rêve compensatoire. Compensatoire, une orgie énorme, dans une monstrueuse, dans laquelle elle finit par être submergée à la fin. Elle est totalement recouverte. Après avoir fait un parcours, les bras en croix, donc c'est une passion inversée de jouissance orgiaque. Et puis, elle se réveille avec une gueule de bois, alcoolique ou médicamenteuse. Et là, bon, elle est éveillée. Elle sort et elle voit sa maison souillée. Donc maintenant, je comprends pourquoi. Elle rentre et là, on voit son intérieur. Absolument à l'opposé de l'orgie qu'on a vue à l'instant. Et on comprend qu'avec un intérieur aussi impeccable, avec que des angles droits, des chaises blanches, avec pas une tache, rien qui soit déplacé, les chaises sont exactement alignées, et la petite fille, elle n'a pas mis de miettes sur le bar sur lequel elle mange. Vraiment, on comprend qu'elle ait besoin de certains débordements onirique, pour compenser. Ça, c'est ce que Jung appelle les rêves, la fonction compensatoire des rêves. Le rêve apporte, au cours de la nuit, ce qui manque dans la vie du vivant. Freud formule ça autrement, il dit que le rêve est la réalisation hallucinatoire d'un désir. Ça revient à toi-même. Donc, elle voit cette petite fille, peut-être que... et elle part dans une rêverie éveillée. Et là, on ne sait pas si c'est son mari et sa fille, ou bien si elle se voit petite fille avec son papa. Je me tourne vers vous. Mais là, c'est dans l'ordre de la rêverie. Il y a une chose intéressante avec la petite fille. Elle est à moitié aveugle, ou en tout cas, elle a un œil porteur d'un pansement, qui nous renseigne sur la rêveuse. La rêveuse ne voit la conscience que de la moitié de sa réalité. La moitié de sa réalité lui échappe à travers cette image d'enfant monoculaire. Voilà ce que je peux dire de cette séquence très riche en onirisme, variée. Juste ajouter avant qu'on se dise au revoir que la réalisatrice voulait à tout prix, elle était assez jeune quand elle a fait film, une petite trentaine, elle a voulu brouiller les pistes, elle a insisté sur le rôle, sur le jeu de la comédienne Tilda Swinton, qui d'ailleurs jouait David Bowie dans le dernier clip de David Bowie, elle l'incarnait. Et elle voulait faire le portrait d'une famille américaine idéalisée et médicalisée. Et que donc, elle voulait montrer aussi un Œdipe cauchemardesque qui serait traité comme un rêve.
et elle a été très influencée par la photographe Nan Goldin et par les cinéastes et par le photographe William Eggleston et par les cinéastes Andrei Tarkovsky et Terrence Malick. Voilà. Et c'est un film qui a été assez mal accueilli au Festival de Cannes. Je vous remercie, docteur Paul Fuchs, pour vos commentaires. Est-ce que vous avez éventuellement une dernière question avant qu'on se dise au revoir ? Certainement, certainement. Voilà. Et c'est à la faveur du travail d'interprétation répété lui aussi que peu à peu les choses se dégèlent, se débloquent et commencent à s'animer et à se transformer. Ça fait ce que vous dites fait penser. Enfin, ce que vous dites, les rêves répétitifs font penser aux rêves consécutifs aux névroses post-traumatiques. Dans un premier temps, les personnes font des rêves purement cinématographiques où ils voient de façon parfaitement réaliste, comme au cinéma, comme aux actualités, le traumatisme qu'ils ont subi. Et puis peu à peu, les choses s'infléchissent, le scénario se modifie, reste toujours répétitif, mais à mesure qu'un travail de mentalisation s'effectue, le scénario se débloque et devient et acquiert une liberté. Monsieur, vous parliez de fonction compensatoire. Est-ce que le cinéma n'a pas une fonction compensatoire? À mes yeux, certainement, mais c'est gaffié. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez la réponse? Je connais des gens très tristes dans la vie qui regardent des comédies à longueur de journée. Moi, il y a une expression qui me met hors de moi, c'est les gens qui disent « je vais au cinéma pour me changer les idées ». Ce qui sous-entend que leurs idées, à la base, sont horribles. Donc, ils attendent du cinéma de changer les idées. Donc, je pense que le cinéma peut être compensatoire, c'est même une évidence, mais pas forcément compensatoire dans le sens qu'on pense. Je pense que les gens qui ont un intérieur blanc vont adorer les films noirs, et les gens qui ont un intérieur noir vont adorer les films clairs. Et étant probablement d'être gris. Vous me rappelez une histoire d'un Américain dans les années 30. On connaît son nom, il est quelque part, je ne l'ai pas en tête. Cet homme, petit employé, père modèle, voilà. On lui apprend, dans sa quarantaine, on lui apprend qu'il a un cancer et à la façon américaine, on lui dit, monsieur, vous en avez pour 3 mois. Aussi brutalement que ça, c'est la façon américaine d'annoncer les cancers. Et ce type se dit, mais quoi, j'ai toujours été un enfant sage, un époux dévoué, un père attentionné, un employé modèle, et toujours sérieux, et jamais, ne faisant jamais de bêtises, et je vais mourir dans cet état-là. Et ce type prend la décision d'acheter du matériel de projection de film, et se met à regarder du matin au soir des films de Laurel et Hardy, des Charlot, des Max Sennett. Et il se met à rigoler du matin au soir. Et il a guéri de son cancer. On connaît son nom, hein, il a écrit ses mémoires, et bon, c'est pas une invention que je vous livre. Donc il y a des cas comme ça, très intéressants. Donne à réfléchir. Hitler regardait des comédies américaines. Non, mais c'est de notoriété publique. Hein. Il n'y a aucune ironie dans mon propos. Les biographes, et je crois même Chaplin en a parlé, qu'il savait que certains de ses films, hein, on sait que Chaplin a joué Hitler dans To Be or Not To Be, mais il y a des signes d'Hitler qui se faisaient projeter des comédies. Voilà. Et Staline aussi. Ah, dernière question, il va falloir conclure. Est-ce qu'on est toujours impliqué dans ses rêves? Toujours. Alors là, je vais vous lire une citation de Jung qui est très intéressante. Je vous la lis pour ne pas la déformer. Le rêve est ce théâtre où le rêveur est à la fois la scène, l'acteur, le souffleur, le régisseur, l'auteur et le critique. C'est-à-dire que tous les éléments constitutifs du rêve sont des parties du rêveur. Aussi bien les décors que les multiples personnages,
qui sont les facettes de la personnalité du rêveur. Désolé, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'être venu. Je remercie l'équipe technique de la médiathèque de l'Auditorium ce soir pour ces 20 minutes de débordement. Remercier M. Patrick Perrin qui a fait l'affiche que vous avez vue derrière moi et qui a disparu et qui est dans la salle. Bravo. Et vous dire que le 26, 27 et 28 janvier dans cette salle, nous recevrons la comédienne Mathilda May. Voilà, pour parler de films, de cinéma et de théâtre. Bonsoir à tous et ne faites pas de cauchemars. Et merci de m'avoir invité. Au revoir. Et le livre est à dédicacer à l'entrée, si vous le souhaitez.